Bienvenue, Ramayad. Bonjour, merci de m'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ramayad. Je rappelle que vous êtes directrice Afrique de l'Atlantic Council Washington. C'est ça. Un think tank américain, c'est ça? C'est un think tank américain, mais global, c'est-à-dire nous travaillons sur les relations internationales. Et moi, je dirige le programme Afrique de ce think tank, qui est le plus grand aux États-Unis et qui comprend 16 programmes. Et Africa Center, le programme Afrique, est l'un de ceux-là. Et donc, je travaille sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde. C'est-à-dire, est-ce que c'est un programme d'investissement des États-Unis d'Amérique sur un continent comme celui de l'Afrique? Est-ce que c'est une vision purement économico-financière ou c'est beaucoup plus large que cela? Non, pas du tout. Ce n'est d'abord pas un think tank gouvernemental ou d'État. C'est une organisation non gouvernementale, non partisane. C'est ni républicain ni démocrate. Nous sommes d'ailleurs essentiellement financés par le secteur privé et les fondations. Les États-Unis sont un partenaire, mais parmi d'autres, il m'arrive d'organiser beaucoup d'événements avec les Japonais, l'Union européenne évidemment… Donc c'est assez multiculturel, quoi. L'Afrique en premier, oui, c'est multiculturel. Oui. Donc vous êtes ici présente à Dakhla, je pense que ce n'est pas la première fois que vous venez à Dakhla. Si, c'est la première fois que je viens à Dakhla, donc je connais le Maroc pour être allé dans plein de villes marocaines, mais Dakhla, c'est la première fois. Première impression de Dakhla, parce que je rappelle que c'est Dakhla qui abrite la 7e édition du Morocco Today Forum, qui a pour thème l'Afrique Atlantique, pour une région continentale à la fois intégrée, à la fois inclusive et à la fois prospère. C'est un bout du Maroc qui est absolument exceptionnel en termes de paysage. D'ailleurs, on le voit à travers le potentiel énergétique aussi, l'océan, le soleil, le vent, c'est ça ? C'est vraiment très majestueux comme espace, très beau. C'est un privilège d'être là et en même temps, c'est un hub très prometteur parce que c'est sans doute la clé d'accès à l'Atlantique pour beaucoup de pays sahéliens. D'accès, c'est-à-dire sur l'ouverture, c'est quoi? C'est la porte d'entrée ou la porte de sortie? Parce que quand on voit bien cette vision, en fait, portée suite au discours, d'ailleurs, du souverain, donc le roi du Maroc, c'était en novembre dernier, le 6 novembre 2023, c'est plutôt une ouverture, une fenêtre grande ouverte pour une vingtaine de pays, continent et côté Sahel, donc Afrique de l'Ouest. Donc c'est quoi? C'est porte d'entrée ou porte de sortie? Une porte, c'est pour entrer, pour sortir, donc ce sera les deux. C'est un lieu d'échange. Qui permettra dans les années qui viennent, parce qu'aujourd'hui, avec le port qui est en train de se construire, permettra à la fois de multiplier les échanges commerciaux venus de l'extérieur vers le Maroc, mais aussi les échanges entre le Maroc et ces quatre pays sahéliens désignés par Sa Majesté le Roi, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui sont des pays enclavés. Et en plus, en guerre depuis 20 ans avec les mouvements terroristes, sans parler de l'instabilité politique. Donc il fallait donner des perspectives plus positives, une espérance finalement à ces populations qui subissent toutes ces souffrances, en leur disant un autre avenir est possible et nous allons vous soutenir en mettant à votre disposition nos infrastructures terrestres, aériennes, maritimes. Qui vont être mutualisés, en fait. C'est un peu l'objectif de cette vision. Mais quand on va sur le terrain, vous avez cité des pays dans l'ordre ou dans le désordre, Mali, Niger, Burkina Faso, c'est des pays aussi les Tchad, qui sont retirés de la CDAO, c'est des pays aussi qui ont réinstallé des frontières, qui veulent plus ou moins imperméables. Donc c'est difficile en termes de stabilité militaire, Ramayad. Ce sont déjà des pays enclavés. Alors en plus, si les frontières sont fermées, ce seront des pays condamnés. Et ce n'est pas tenable, donc c'est la raison pour laquelle ce projet de Sa Majesté le Roi est une initiative à la fois innovante et en même temps porteuse d'espérance. Maintenant, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire que c'est un effort majeur, donc cela suppose des financements, cela suppose une coordination aussi avec les acteurs qui opèrent déjà sur l'Atlantique, sur la côte, que ce soit l'Union africaine, l'Organisation maritime mondiale, parce qu'il y a des défis aussi, il y a la piraterie, il y a la pêche illégale, il y a tous ces sujets dont qu'il faut traiter pour dégager l'espace afin que l'accès soit réellement une source d'opportunité. Voilà, et je pense que Dakhla, lorsque ce projet portuaire arrivera au bout, à l'image de Tanger Med, peut être un hub industriel très intéressant, non seulement pour les pays sahéliens, mais d'abord pour le Maroc et ensuite pour les pays côtiers. Mauritanie, allons jusque même
le Sénégal, le golfe de Guinée, parce qu'il y a une continuité territoriale entre toutes ces zones interconnectées. Sauf qu'on a les pays du continent, d'ailleurs, à l'instar de dans beaucoup de pays dans le monde, ce n'est pas vous que je vais le dire, une espèce de repli identitaire, il y a du retour du protectionnisme aussi sur le terrain économique. Est-ce que par rapport à la séquence, le momentum, timing, est-ce qu'effectivement, c'est, voilà, est-ce qu'il faut tenir compte de ces éléments structurels aujourd'hui où le souverainisme et la souveraineté sous toutes ses formes n'a jamais été autant utilisé et fixé comme objectif par la plupart des pays dans le monde, qu'ils soient occidentaux ou africains? C'est une très bonne remarque. Nous sommes, je crois que c'est le professeur Sall qui disait ce matin lors du forum que nous sommes à un moment charnière où le vieux monde est en train de mourir, mais le nouveau tarde à advenir. Et entre les deux, nous sommes dans cette période de transition où le meilleur et le pire peuvent advenir. Et parmi les mouvements géopolitiques en cours, vous l'avez très bien dit, il y a à la fois le Nord qui se referme au niveau de ses frontières géographiques avec ses luttes contre l'immigration, les États-Unis avec le mur mexicain, l'Europe avec la Méditerranée transformée en cimetière, hélas. Et puis, au-delà même de la fermeture géographique, il y a aussi la fermeture mentale, avec ces populismes qui gagnent du terrain un peu partout sur le continent, empêchant les hommes et les femmes du continent européen de s'ouvrir vers l'autre. Et au même moment, en Afrique, le mouvement est inverse. C'est-à-dire qu'on ouvre les organisations régionales, se construisent, les pays se connectent de plus en plus. L'initiative régionale atlantique va permettre de connecter le Maroc à ses voisins sahéliens. La zone africaine de libre-échange, la ZLECAF, c'est quand elle même… Elle a du mal, c'est la zone la plus politique, mais… Parce que c'est la zone la plus grande du monde, la plus large du monde, incluant 55 pays et 1,5 milliard de consommateurs. Donc, évidemment, pour faire bouger ce mastodonte qui a été lancé seulement en janvier 2021, mettant fin à un siècle de cloisonnement entre États africains qui n'ont jamais pu commercer entre eux réellement, moins de 15% de commerce entre les pays africains, eh bien, pour changer ce cours de l'histoire-là, évidemment, il fallait un projet titanesque comme celui-ci. Et maintenant, il faut atteindre… il faut arriver à créer les mécanismes pour débloquer tout, à la fois la circulation des hommes et des femmes, donc les visas, la question du commerce, donc les tarifs douaniers, la question de la monnaie, donc, parce qu'il faut de l'argent pour qu'il soit le même. Hein. Donc la monnaie unique, cette monnaie unique, en fait, se dire l'écho, et puis on balaye toutes les monnaies nationales, on sait très bien qu'il y a des dizaines de monnaies. Je pense que c'est indispensable. Vous savez ce qu'on me dit à Washington, les investisseurs, les gros investisseurs, là où il y a l'argent pour financer les gros projets. Ils me disent tous, quand je leur dis, mais qu'est-ce qui bloque? Parce que pourquoi vous ne faites pas assez en Afrique? Pourquoi vous n'investissez pas plus? Ce continent est en train de doubler sa population. Je veux dire, il y a un besoin de création d'emplois. 70% des habitants du continent ont moins de 30 ans. Il faut créer des emplois parce que si ces jeunes-là n'ont pas d'emploi, ils vont s'en prendre aux institutions. Donc, pourquoi vous n'investissez pas massivement? Il dit, mais nous, on n'a que ça de l'investissement massif, mais le problème, pour ceux qui sont de bonne foi, ils ne sont pas tous, mais pour ceux qui sont de bonne foi, le problème, c'est que nous arrivons avec des centaines de milliards de capacités d'investissement, mais que les marchés qui sont domestiques ne peuvent pas absorber. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment profonds. Pas suffisamment larges. Nous ne pouvons pas mettre tout cet argent dans un pays. Nous avons besoin de mettre dans 10 pays en même temps. Donc l'organisation régionale est le futur de l'Afrique. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il faut que les modèles économiques en fait, africains, par région, par sous-région, par territoire et par pays, que l'économie se développe? Exactement. Il n'y a que de cette manière-là qu'on arrivera à tirer des capitaux étrangers, exactement. Essentiellement américains. C'est l'une des voies pour y arriver. La CDAO, je sais, est très décriée depuis qu'elle a décidé de faire de la politique, on va dire. Mais la CDAO est d'abord un projet économique régional. Mm-hmm. Et donc, il faut renouer avec la dimension économique de la CDAO. En tout cas, ne pas mettre ça en arrière-plan, encourager les autres regroupements régionaux à développer des infrastructures régionales en termes aériennes, terrestres, ferroviaires, portuaires. Je pense qu'en Mayenne, qui sont tous d'accord là-dessus, ils ont tous la volonté politique de le faire, sauf qu'il faut trouver les financements nécessaires. Ah ben non, alors là, je veux dire, les financements existent. Donc on a l'impression que c'est le serpent qui se prend la queue. Ah non, maintenant il faut le faire, alors parce que c'est indispensable mais pas suffisant. Après, il faut aussi qu'il y ait des États qui soient suffisamment forts pour garantir une bureaucratie efficace, parce qu'il faut une réglementation,
il faut une transparence dans cette réglementation, il faut des fonctionnaires qui soient habilités à exécuter ces tâches-là au quotidien. Et quand je dis fonctionnaires, il s'agit du douanier, mais il s'agit aussi des ponts et chaussées, il s'agit des techniciens, des ingénieurs qui vont mettre en œuvre ces projets. Quand vous voyez que des pays comme le Sénégal, par exemple, ont découvert du pétrole et du gaz, moi je me félicite que le président du Sénégal, Macky Sall, à l'époque, décide de créer une école d'ingénieurs experts sur la question de l'exploitation pétrolière. Comme ça, on aura des hommes et des femmes sénégalais en capacité. Même temps, le Sénégal aussi fait appel à des compagnies étrangères, internationales, pour forer, pour extraire ce pétrole et ce gaz et ensuite le. C'est des appels. Et ensuite le transformer. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, en fait, c'est intéressant que vous parliez du Sénégal parce que je rappelle aussi que Ramayel est né à Dakar. C'est oui, ça c'est ça. Voilà, donc c'est votre pays d'origine. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire aussi que quand il y a des ressources naturelles qu'un pays souhaite exploiter et transformer, comme en l'occurrence le Sénégal sur les hydrocarbures, il est obligé, entre guillemets, de faire appel à une compagnie, une entreprise étrangère? Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste la procédure des appels d'offres assez classique. Hein. Maintenant, après, il est clair qu'il faut que tout ça soit fait en toute transparence pour ne pas que les procédures jettent la suspicion sur la manière dont les appels ont été faits. Et deuxièmement, il faut aussi veiller à ce que les richesses nouvelles induites par ces exploitations soit partagé avec la population. Ça, ce sont des éléments indispensables. Et puis, il faut aussi savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire ces étrangers-là, même lorsqu'ils travaillent sur ces sites, il ne faut pas les laisser seuls. Il faut les encadrer. Il faut que l'État, des éléments sénégalais, puisse les encadrer pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils tirent, ce qu'ils transforment et s'assurer aussi que les emplois soient majoritairement créés sur le territoire. Ce qui rend cela possible, c'est un leadership visionnaire et efficace. Donc ça veut dire qu'à la tête des États africains… Le leadership politique, il faut nécessairement effectivement, par pays il faut des bons, un leadership politique. Il faut des bons qui connaissent leur pays, qui savent gérer leur pays et qui savent où est-ce qu'ils veulent amener leur pays. On a vu aussi un certain nombre de pays africains, dont le Sénégal, lorsqu'il y a eu l'élection, en fait, la campagne électorale et puis l'élection qui a été bougée à 2-3 reprises au niveau des dates, mm-hmm. des mouvements nationalistes. Mm-hmm. Parce que les mouvements nationalistes n'existent pas que dans le Nord, au niveau occidental et européen, ça existe aussi sur le continent africain. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu? Parce que beaucoup considèrent qu'il y a un momentum Afrique, que c'est maintenant que ça se passe, mm-hmm. mais qu'aussi, il faut essayer d'intégrer le maximum de personnes pour ne pas se retrouver avec des mouvements qui se radicalisent, comme les mouvements nationalistes qu'il peut y avoir sur le continent, que ce soit au Sénégal ou ailleurs d'ailleurs. Bon, moi, je dirais plutôt mouvement souverainiste. Je ne crois pas que le mot nationaliste en Afrique doit être entendu, en tout cas pour les mouvements récents dont nous parlons, comme des mouvements qui rejettent l'autre sur des bases ethniques, à part les cas tragiques. Mais ça, ce n'est pas du nationalisme, c'est plutôt de la prédation au Soudan, par exemple, où il y a encore quelques jours à Washington, je recevais la directrice de Human Rights Watch qui venait de sortir un rapport sur le nettoyage ethnique qui a cours actuellement au Soudan, dont personne ne parle, c'est un vrai scandale. Quand je parle de mouvements souverainistes, je pense plutôt à ces mouvements de jeunesse politique qui s'expriment dans les rues, notamment en Afrique de l'Ouest, parce qu'ils veulent retrouver en fait une souveraineté politique. Ce n'est pas la même chose, ils veulent échapper à cette dépendance liée à d'anciens pouvoirs coloniaux ou impérialistes et retrouver une certaine autonomie d'action. Et ça, je trouve que c'est une démarche historique qui est tout à fait naturelle et normale. Ça ne va pas sans heurts, mais je crois que ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille priver les gens, les Africains, de leur droit de choisir, parce que la souveraineté va avec la démocratie, normalement. Et donc, c'est pour ça que je suis une grande avocate de la cause démocratique en Afrique. Cause démocratique en Afrique, mais la cause économique. Est-ce que vous considérez-vous, Ramayad, que le seul véritable levier de développement pour l'Afrique, il est économique? Parce que certains considèrent qu'en fait, il y a d'autres dimensions, d'autres enjeux mm-hmm. que l'enjeu économique. Et une autre école de pensée considère que c'est le seul véritable levier pour faire décoller l'Afrique. Mm-hmm. Il est purement économique. L'économie, oui, donc nous vivons dans un monde où la richesse passe par l'économie. Et que, malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas, le développement est indispensable. C'est d'ailleurs par défaut ou par manque de réussite sur les questions de développement que des régimes en Afrique de l'Ouest sont tombés récemment, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso,
au Mali ou en Guinée. Le sous-développement chronique a affaibli les régimes politiques. Et c'est ce qui a donné une bonne excuse à affaibli des... les modèles démocratiques sur le continent. Parce qu'il y a certains considèrent, experts politiques internationales, que aussi, c'est surtout l'Afrique de l'Ouest, vous avez cité des pays comme le Mali et autres, que c'était l'affaiblissement, les limites des modèles démocratiques qu'il y avait jusqu'à présent dans ces pays-là. C'est vous qui dites ça. Vous avez remarqué que moi, je n'ai pas dit... Des experts ont dit ça. Et je voulais confronter ça avec Ramayad, avec vous. Non, je n'ai pas... Savoir si effectivement, ce qu'on a vu, ces régimes autoritaires qui se sont installés, qui ont pris le pouvoir dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils l'ont fait aussi parce que c'était le modèle démocratique qu'il y avait jusqu'à présent, qui restait extrêmement limité, extrêmement faible, qui ont montré leurs limites? Justement, j'ai dit que leurs limites étaient liées à leur impossibilité à régler le problème du sous-développement. Je ne dis pas que c'était des démocraties. Ils ont été ainsi présentés à l'époque, quand ils étaient là, mais moi, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais qualifié ainsi, parce qu'ils ne répondaient pas au canon de la démocratie. Et je viens, comme vous l'avez dit, d'un pays qui est le Sénégal, qui sait ce que c'est la démocratie, et qui est l'un des modèles les plus aboutis de la démocratie, non pas à l'échelle de l'Afrique, mais du monde. Donc, si on s'en tient à ces critères-là d'exigence démocratique comme celle qu'a eu le peuple sénégalais pour son élection présidentielle récente, eh bien, des pays comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire, ou le Burkina, on était très loin. La Guinée, d'abord, ce n'était pas une démocratie, vous le savez. M. Condé n'était pas ce qu'on peut appeler, il concourait d'ailleurs pour un troisième terme que la Constitution ne l'autorisait pas à faire, ce qui l'avait amené à vouloir la changer. Le Mali, et ainsi que similaire d'ailleurs au Niger, au Niger, ces deux pays-là étaient attaqués de l'intérieur et de l'extérieur parce qu'il n'y avait pas cette exigence démocratique. Notamment les questions de corruption étaient très présentes dans les discussions. Et donc les populations le voient ça et se disent, tenez, vous nous présentez ces régimes-là comme démocratiques, mais nous on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que je pense que la restauration de l'idéal démocratique en Afrique, donc l'idéal démocratique est en crise d'ailleurs partout, pas qu'en Afrique, passera d'abord par un retour, par la fin du deux poids deux mesures, et un retour aux règles les plus élémentaires dans la démocratie. Qu'on arrête de se cacher les doigts, les yeux en disant ça c'est la démocratie, alors que tout le monde voit que ce n'en est pas une. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Il y a une vraie démocratie ou alors il n'y a pas de démocratie? Il n'y en a pas. Voilà, mais on arrête de faire semblant. Ultra-autoritaire. Exactement, on arrête de faire semblant. Donc, quant au régime autoritaire, c'est pour ça qu'ils ont été applaudis. Parce qu'au départ, ils ont été, certains les ont applaudis parce qu'ils ont considéré qu'ils les aidaient à se débarrasser des régimes faussement démocratiques. Mais maintenant, le problème reste entier. On ne peut pas, des régimes ne peuvent pas comme ça prendre le pouvoir par la force sans jamais consulter la population. Ça ne peut pas durer parce que justement, la population, elle a quand même le droit de choisir ses dirigeants. Quels que soient ses dirigeants, quel que soit le régime. Le peuple choisit. Après, il faut faire des transitions qui permettent effectivement de restaurer d'abord une constitution solide, ensuite de redonner, de créer un espace efficace d'élection, parce qu'on ne vote pas dans n'importe quelle condition. Et puis, troisièmement, de s'assurer que les règles électorales et la participation soient respectées. Donc, tout ceci requiert, c'est vrai, du temps. Je pense que c'est d'ailleurs ce temps-là qui est discuté en ce moment. Mais ça fait partie, c'est l'une des équations qui permettront de régler le problème. Au-delà de la question démocratique, il y a évidemment cette question du développement. Ces pays sont les plus pauvres du monde. Ça n'est pas normal, alors qu'ils ont tant de richesses. Mais ça va être quoi la priorité, si on devait prioriser? C'est l'extension de la surface démocratique ou l'extension de la surface économique? Mais les deux vont ensemble. Est-ce que les deux, dans un continent fragile, fragmenté, instable, avec beaucoup de choses qui sont dites en termes de risque aussi, où c'est le continent où le risque est le plus élevé, entre l'extension de la surface démocratique pour faire avancer le continent et l'extension de la surface économique pour le faire décoller, est-ce qu'il faudra choisir? Moi, je ne pense pas qu'il faille choisir parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, un régime autoritaire, souvent, c'est synonyme de prédation. Donc, si vous volez les biens de la population, je ne vois pas comment vous pouvez être efficace sur le plan économique. Voilà. Alors, je ne dis pas que la démocratie suffit à installer les conditions du développement. Je ne dis pas non plus que le développement suffit à rendre les gens heureux. J'en conclue donc que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Des hommes, il faut des hommes libres,
Parce que pourquoi ? Les hommes avec un grand H, bien entendu. Hommes et femmes libres, parce que je ne vois pas pourquoi ils seraient condamnés à vivre dans les fers et dans la soumission. Voilà. Et deux, il faut aussi que ce soit des citoyens éduqués, donc c'est-à-dire capables de prendre des décisions parce que formés intellectuellement. Et puis troisièmement, il faut que ces gens-là puissent vivre dignement, c'est-à-dire dignement de leur travail, de leurs efforts. Et pour cela, il faut un tissu économique viable. Voilà. Dernière petite question, Ramayad. Est-ce que je peux dire que Ramayad est une binationale? Bon, oui, vous pouvez le dire, oui. Oui. Franco-marocaine, franco-sénégalaise, franco-marocaine-sénégalaise. Non, je suis née au Sénégal, j'ai acquis une nationalité française qui est venue s'ajouter quand j'avais 20, 21 ans. Vous avez été secrétaire d'État, vous avez occupé aussi des responsabilités, on va dire, politiques, mm-hmm. au sein de l'exécutif et d'un gouvernement en tant que donc, binational. Je n'ai pas de carte d'identité sénégalaise, mais je me sens aussi sénégalaise et... Voilà, je n'ai pas besoin d'un papier pour me le dire. Ça va avec moi. Donc, vous vous sentez également française? Je me sens parfaitement sénégalaise. Je me sens aussi française. J'ai représenté la France au plus haut niveau sur une question à laquelle je suis très sensible, celle des droits de l'homme, mais aussi du sport. J'ai représenté la France aussi comme ambassadeur auprès de l'UNESCO. Et donc, dans mes années gouvernementales, les Français m'ont beaucoup soutenu, alors que je n'avais ni circonscription ni héritage politique. Ça m'effrayait toujours un peu, mais quand régulièrement des sondages sortaient et me plaçaient en tête des personnalités préférées des Français, je le prenais comme un badge d'honneur, puisque je n'avais rien d'autre que ça. Badge d'honneur ou honneur, tout court ? Un honneur, oui. Je n'avais rien d'autre que leur soutien. C'est ce qui m'a permis de durer, d'ailleurs, dans la politique française. Sinon, je pense que j'aurais été balayée, vu en plus les positions... souvent que je prenais, qui n'était pas toujours celle qui plaisait au président de la République. Donc, l'époque était Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc effectivement, je ne sais pas si parmi ces gens-là qui m'avaient honoré de leur soutien, si c'est ceux-là dont on parle aujourd'hui et qui sont sur le point de porter l'extrême droite au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans, pour que, 5, 6 ans, 7 ans, pour qu'on en arrive là. Mais bon. Ceux qui forcent le trait en disant, attention, effectivement, tous les binationaux qui vivent en France, quelque part, ils seront dans le viseur d'un parti comme le RN. Vous qui connaissez un pays comme la France, que vous connaissez très bien, le FN que vous avez combattu aussi politiquement, je me souviens d'une déclaration de Ramayad en 2016, je serai l'antidote du Front National, lorsque vous souhaitiez vous présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que valeur aujourd'hui, vous considérez que les binationaux en France sont, pas dire en danger, mais en tout cas menacés? Écoutez, moi, parce qu'il y a quand même une communauté marocaine importante en France. Me suis gardé depuis que cet Emmanuel Macron a été élu à la tête de l'État français de faire le moindre commentaire politique sur cette situation-là, parce que je vais me concentrer sur ce que je fais, qui est la politique étrangère. Je peux volontiers vous parler de la politique étrangère de la France et son impact sur... Et pour les binationaux. Et notamment sur les Maroc. Oui, bon, évidemment, moi, il faut imaginer que tous ces binationaux quittaient la France demain ou cessaient de travailler. Je pense que le pays s'effondrerait, parce qu'on les trouve partout. C'est-à-dire dans les hôpitaux qui manquent cruellement de médecins. On a des médecins marocains, tunisiens, togolais, parmi les Sénégalais. Ce sont eux qui s'occupent des personnes âgées dans les maisons de retraite. Il y en a beaucoup. On les a vus aussi en première ligne lors du Covid, qui tombaient les uns après les autres parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir à rester auprès des personnes âgées pour les soigner. On les a vus caissiers et caissières dans les magasins de proximité, dans tous les villages et toutes les villes de France, prenant le risque d'être contaminés, étant les seuls au front. On les voit garder les enfants des bourgeoises qui s'en vont dans les quartiers chics, garder leurs enfants, voire même les élever souvent. On les voit nettoyer les rues de Paris, parce que ce sont aussi, beaucoup d'entre eux sont dans les métiers des boueurs. On les voit dans les restaurants. Faire les serveurs ou les cuisiniers ou faire la plonge. On les voit partout. Ils sont partout dans les créneaux les plus critiques de la société française, serrant les boulons, tenant cette société à bout de bras. Donc si demain ils n'étaient plus là, je pense que la France ne serait certainement plus la France. Merci infiniment,
Merci beaucoup, Ramayad, directrice Afrique de l'Atlantique Council Washington. On a fait ça, émission de, on va dire, conversation avec Ramayad. Merci de m'avoir invité. En marge du Morocco Today Forum 2024, exactement, qui a pour thématique l'Afrique Atlantique pour une région continentale à la fois intégrée, à la fois inclusive et à la fois prospère. Très bien, je repars alors au forum et puis merci à vous de m'avoir invité. Merci à vos auditeurs de nous avoir suivis. Merci infiniment.